petite vidéo surprise entre guillemets pour DLN. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. C'est de voir ce qu'on va faire. Parce que DLN n'est pas au courant de ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça réussit quand c'est allumé. MS Motorsport. On a croisé GMK. GMK est en train de se faire arrêter. Il y a le retour à GMK qui est là. Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, toujours en compagnie de DLN qui est juste avec moi ici. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que DLN n'est pas au courant de ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, une petite vidéo surprise entre guillemets pour DLN. On va aujourd'hui aller visiter quelque chose, moi je l'ai déjà vu. Là on va à Cannes. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Lâchez le petit pouce bleu. Est-ce que tu es pressé de voir ce qu'on va faire? Pressé. Tu penses à quoi là? Un petit musée, un petit truc du genre. Alors, pour te dire que le musée, on peut pas y accéder, sachant que. Il n'y a pas sanitaire. On n'a pas le pass sanitaire. Moi, je pourrais y accéder, mais pas toi. Voilà, moi, je suis pas vacciné encore. Moi, je vous reprends une fois qu'on est arrivé, la type. Diane, est-ce que tu penses savoir où on est? À la croisette, déjà. Non, on n'est pas à la croisette. Est-ce que tu penses savoir ce qu'on va voir là? Je sais pas, moi, le festival des Cannes. Mais c'est fini, le festival des Cannes. Tu sais pas où on va? Non. Un indice, au moins, donne. À la mer, déjà, on est prêt. Ça rugit. Hein? Ça rugit quand c'est allumé. Ah, ça rugit. Ah, c'est des voitures. C'est des belles caisses. Donc là, les gars, pour ça, vous l'avez sûrement déjà vu au titre. Aujourd'hui, petit vlog chez MS Motorsports à Cannes. Voilà. On est parti montrer du coup des beaux véhicules à DLN. Voilà. La belle auto du seigneur. Des belles autos. Mais genre, quand des belles autos, c'est des belles autos. Hein. On se retrouve une fois dans MS. J'espère que je vais pouvoir filmer dedans. J'espère. Et voilà les gars, là on est chez MS, une belle Porsche. Alors Dylan, donc là du coup les gars, pour ceux qui connaissent MS Motorsports, vous voyez un peu le décor des photos Instagram de MS. Et là du coup il y a toutes les dingueries de voitures. T'en penses quoi d'Hélène? J'ai pété mon masque. Alors ma surprise, j'ai tellement ému que j'ai pété mon masque. Ma surprise est comment? C'est trop bien. Petite Ferrari. Je pourrais pas vous dire le nom des véhicules les gars parce que je les connais pas tous, mais ils sont magnifiques. Les étriers verts ils pètent là. La petite féfée bleue là. Il est magnifique. C'est magnifique l'intérieur. C'est juste magnifique. Là, on peut voir un beau petit Urus noir. Une belle petite config pour l'Urus. Là, elle est équipée en Mansory. Ferrari. Berlinetta Onyx. Elle est magnifique. T'as vu le siège là? Elle est magnifique celle-là. Continental Bentley. Une GT2. Un Mercedes GLC Coupé 63. AMG qui est juste magnifique. Pareil avec des jantes qui sont sublimes. Regardez-moi la taille de ces jantes les gars. Elles sont magnifiques les jantes. Pareil des intérieurs très 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 clean mais on voit pas très bien. Voilà les gars, si un jour vous venez à Cannes, n'hésitez pas à passer chez MS Motorsports à Cannes. C'est vraiment des voitures de bâtard. On a une petite Porsche 911, type 991, carré raté. Pareil magnifique dans une config très 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 belle. Elle est magnifique en bleu. Une petite Rolls Royce.
intérieur cuir magnifique, c'est brodé et tout, sublime. Et encore là, il en manque. Hein. Il en manque là, les gars, logiquement, il y a plein de caisses qui sont là. La Porsche GT3, elle est magnifique. Elle est magnifique, celle-là. Magnifique. Elle est sublime. Elle est juste magnifique. Bon, DLN, ton avis sur le... la petite concession MS Motorsports à Cannes. On reviendra dans quelques années, mais on va vous avez entendu. Dans quelques années, les gars, on revient. Maxoff revient. On achète un bolide. On dit à DLN, j'ai posé une question, c'est de partir avec une bagnole, laquelle il prenait. Donc du coup, au final, tu repars avec laquelle, si on t'en donne une. Peut-être la... le Urus. Ouais. Le Urus ou l'autre, la Mercedes. Moi, en vrai, je pense celle-ci. Soit celle-là. En extra, je pense que je prendrais la Lambo. Mais le Urus, il est propre aussi. Et là, les gars, en haut, là-bas, si vous voulez, des maillots de foot. C'est... hein? C'est tous les joueurs qui sont venus acheter des voitures ici. On peut le voir, il y a Griezmann qui est venu. Aubameyang. Plein de joueurs connus, Rabiot. Mendy. Surprise que je montre la DLN. Alors, ton petit ressenti sur cette première. Moi, je reviendrai ici. C'est la première fois que tu vois autant de gros véhicules comme ça d'un coup. Moi, je donnerais pas mon maillot de joueur de foot, je donnerais celui d'arbitre. T'as bien raison. Donc là, si tu mettrais une petite note sur tout ce que t'as vu comme gros véhicule. 100, 100. Franchement, c'est magnifique. Oh, purée, on a pas eu celle-là. Il n'y a même pas de note à attribuer. C'est la petite vidéo surprise, entre guillemets, la petite surprise pour DLN. J'espère qu'elle t'a fait plaisir. Ah, bah, évidemment. Et puis, logiquement, la vidéo devait être terminée. Sauf qu'en fait, on a croisé GMK et là en fait, GMK est en train de se faire arrêter. GMK ! T'as dit bonjour ? GMK ! T'as dit bonjour toi ? Il m'a fait ça ! Il t'a fait bonjour toi, il t'a dit bonjour ! Oui ! Non mais de base, les gars, la vidéo elle devait être terminée quoi. Mais les gars, c'est incroyable. Comment, mec, que t'as dit bonjour à GMK quoi. Et toi en plus, t'as dit GMK. Le pauvre, il se faisait contrôler, toi tu lui as dit GMK. Bon, du coup, comme vous avez pu voir dans les quelques secondes qui précèdent, les gars. Elle est là. À MS Motorsports, il y a la voiture à GMK qui est là. On va essayer de l'attendre, voir s'il y a moyen qu'ils puissent faire une petite photo avec nous, les gars. Bonsoir à tous ceux qui voient la vidéo et pensez à vous abonner à sa chaîne, franchement, c'est un bon et vous faire plein de belles vidéos. Merci beaucoup, voilà. C'est GMK. Merci à toi, à la prochaine. Passez une bonne journée. Merci à toi aussi, bonsoir, ciao. Et voilà, les gars, énormissime. La dinguerie. Les gars, c'est la voiture à GMK. Quel est ton ressenti sur cette rencontre de GMK ?
Eh ben, n'empêche, j'ai été surpris de le voir vraiment parce que ben, je ne m'attendais pas. Il est hyper grand. Il est très 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 grand et très costaud. Là la team, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Franchement, avec une fin totalement épique. Sincèrement, on ne s'attendait pas du tout, mais alors pas du tout à rencontrer GMK, un délai. C'était inattendu, inédit. Franchement, on devait rentrer de base. On va aller chercher une glace. Voilà. Sauf que, on s'est même pas arrêté, on est parti. Et au moment où on part, on voit quoi? La Mercedes de GMK, là, les anciennes 663. Exactement, en rose fluo. Rose fluo, là, rose fuchsia. Un beau rose, panthère rose. Et du coup, voilà, et ben, en fait, Dylan m'a dit, on fait quoi? On le suit. On le suit. Du coup, pendant qu'on le suivait, en fait, il s'est fait arrêter par la police municipale. Parce qu'en fait, sa voiture fait beaucoup de bruit, quoi. Donc voilà, il s'est fait arrêter, il est reparti. Et puis voilà, puis en fait, après, j'ai eu, entre guillemets, une petite idée comme quoi. Il allait aller à MS Motorsport. Et au final. De là où on sortait. Voilà. De là en plus, ouais, c'est là, c'est ça le pire, de là où on sortait. On serait resté une petite demi-heure de plus. Exactement, mais vraiment à quelques minutes près, on aurait pu louper quoi. Mais heureusement que GMK il a des coloris de voiture assez. Ah bah là on l'a pas raté hein. Assez ouf. Du coup on l'a vu, et puis donc on vous avez pu voir dans les petites séquences précédentes. Voilà, je vous ai montré un petit peu ce qu'on a vu avec GMK, puis le petit message surtout qu'il a laissé pour la chaîne. Voilà. Du coup, là les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, à me lâcher un maximum de petits pouces bleus. Franchement, pour cette grosse vidéo, parce que pour moi c'est une grosse vidéo quand même, on a quand même vu GMK. Je veux que tous ceux qui regardent cette vidéo, vous me mettez un like, je veux que cette vidéo elle atteigne 50 likes, les gars. Et tout le monde dans les commentaires mentionne GMK pour qu'ils puissent l'avoir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner les gars, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube. Le palier des 50 likes sur cette vidéo, je vous fais confiance. Sur ma chaîne c'est quasiment impossible, on n'a jamais fait 50 likes sur une vidéo, mais sur celle-ci je sens qu'on va le faire. Et du coup la DLM, franchement j'espère que t'as kiffé cette petite journée, tu t'en rappelleras toute ta vie, ton petit séjour à Cannes, t'as vu GMK. Je vais m'en vanter là. Moi j'espère que ça t'a plu les gars. Sur ce, c'est une fin de vidéo, moi je vous dis à la prochaine.